Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouveau dossier de l'espace. Voilà presque 30 ans que la première exoplanète gravitant autour d'une étoile a été découverte. On peut maintenant raisonnablement se douter que la majorité des étoiles possèdent un système planétaire. Au cours des dernières décennies, des milliers de planètes ont effectivement été découvertes. Elles affichent des profils très différents et prennent parfois des formes ou des emplacements qu'on ne connaît pas dans le système solaire. C'est le cas des Jupiters chauds, des mini-Neptunes ou des super-Terres. Les techniques de détection d'exoplanètes en œuvre aujourd'hui souffrent encore de biais, c'est-à-dire qu'on ne détecte pas en majorité les planètes les plus fréquentes, mais plutôt celles qui sont les plus simples à détecter. Les planètes froides, avec de très longues périodes, comme Uranus et Neptune dans notre système, sont par exemple presque impossibles à dévoiler autour d'une autre étoile. Les planètes semblables à la Terre sont également complexes à détecter et à caractériser. Elles sont plutôt petites et souvent dans la zone habitable de leur étoile. Malgré ces difficultés, un nombre grandissant de planètes candidates au statut d'exotère ont été identifiées. Ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de visiter virtuellement bien sûr les 5 d'entre elles qui sont déjà les plus prometteuses. Il faut commencer par rappeler qu'on ne peut réunir qu'une quantité de connaissances limitée sur une exoplanète précise. Lorsqu'elle est détectée par la méthode des vitesses radiales, on peut obtenir une bonne approximation de sa masse. Lorsqu'elle est détectée par la méthode des transits, on peut déterminer sa taille. Si on parvient à allier les deux méthodes, alors on peut calculer sa densité moyenne et donc avoir un bon aperçu de sa constitution. Elle est plutôt ferreuse, rocheuse, gazeuse, etc. Ces deux méthodes permettent également de déterminer globalement l'orbite de la planète, et donc de savoir si elle se trouve dans la zone habitable de son étoile. Enfin, très récemment, on a commencé à pouvoir caractériser des atmosphères de petites planètes. Sans même parler de leur chimie, on peut déjà étudier leur rayonnement infrarouge pour déterminer si celui-ci est compatible avec une présence d'atmosphère ou non. C'est par exemple l'exercice que James Webb a pu mener auprès de certaines planètes du système TRAPPIST-1. Avec ces quelques indices, on peut en 2024 effectuer un classement, certainement très provisoire et subjectif, des quelques planètes qui aujourd'hui semblent ressembler le plus à la Terre. La bonne nouvelle, c'est que certaines d'entre elles se trouvent à seulement quelques centaines voire dizaines d'années-lumière. Ce ne sont donc pas des planètes très rares, et il y en a peut-être certaines qui sont encore plus proches. De quoi nous permettre de rêver un peu de voyage interstellaire. Commençons toutefois notre voyage à bonne distance, à 1800 années-lumière du Soleil, pour remonter notre classement. En 5ème place, nous placerions ainsi Kepler-452b. C'est une planète assez grosse et massive. Elle fait 1,5 fois le diamètre de la Terre et 5 fois sa masse. Ce qui la rend très intéressante, c'est son orbite. Elle gravite autour d'une étoile qui est très semblable au Soleil, et son année dure 385 jours. Elle se trouve ainsi dans une configuration qui nous semble familière. En conséquence, elle reçoit à peu près autant d'énergie de son étoile que la Terre du Soleil, et sa température de surface doit donc être très proche. Son étoile est stable et a le mérite de ne pas connaître les terribles éruptions des naines rouges. Elle est aussi un peu plus vieille que le Soleil, avec un âge estimé à 6 milliards d'années. Sa luminosité a peu varié, ce qui signifie que Kepler-452b se trouve dans sa zone habitable depuis aussi longtemps, ce qui ouvre de belles perspectives par rapport au potentiel de la vie. Il y a cependant quelques inconnues. La première concerne sa gravité de surface. Elle est 2 fois supérieure à celle de la Terre. Vivre sous 2G serait probablement très inconfortable pour la plupart d'entre nous, mais peut-être pas complètement impossible. Disons que vous vous sentiriez probablement comme un astronaute qui revient de l'ISS, écrasé, avec des douleurs et avec votre cœur qui doit faire des heures supplémentaires. La composition de la planète est aussi incertaine. Est-elle majoritairement rocheuse ou gazeuse ?
Les modèles les plus acceptés la voient plutôt comme une super-Terre, probablement très volcanique et recouverte d'un épais voile nuageux. Malheureusement, on ignore tout de son atmosphère qui pourrait grandement changer la donne. Elle pourrait signer la différence entre une exo-Terre et une exo-Vénus. Je ne vous apprends pas qu'il y a une différence d'habitabilité énorme entre les deux. En quatrième position dans notre classement, on aurait tendance à placer Proxima Centauri B. Bon, elle bénéficie d'un petit bonus car c'est l'exoplanète la plus proche de la Terre. Elle est toutefois également très représentative d'une classe de planètes qui semble très présente dans l'univers, les exotères gravitant autour de naines rouges. Son rayon et sa masse sont à peu près similaires à ceux de la Terre. En ce sens, c'est une copie presque parfaite de notre planète. Elle gravite dans la zone habitable de son étoile et constitue ainsi un candidat qu'on pourrait qualifier de parfait. Mais c'est justement son étoile qui pose problème. Cette dernière est une naine rouge, une toute petite étoile qui brille très faiblement. Sa zone habitable est donc toute proche d'elle. Cette configuration pose deux soucis. Le premier, c'est que Proxima Centauri B, la planète, est très probablement en rotation synchrone avec son étoile, ce qui signifie qu'elle lui présente toujours la même face. Il n'y a donc pas de cycle jour-nuit, mais des régions où il fait tout le temps jour et des régions où il fait tout le temps nuit. Par ailleurs, Proxima du Centaure, l'étoile, est particulièrement sujette à des éruptions ultra-violentes. Ces dernières déclenchent des tempêtes de rayons X sur les planètes environnantes, ce qui n'est probablement pas super compatible avec la vie, du moins sur la phase jour. Malgré ça, la planète qui nous intéresse reçoit un peu moins de rayonnement que la Terre, elle est donc probablement en moyenne un peu plus froide. Il faut juste garder à l'esprit que cette moyenne est celle des deux extrêmes, plutôt que le reflet d'un climat tempéré. La présence d'eau, d'une atmosphère et d'un climat sur Proxima B fait l'objet de très nombreux modèles. Certains sont plutôt optimistes et d'autres franchement pessimistes. La bonne nouvelle, c'est que l'étoile et la planète sont très proches de nous et pourront bénéficier d'une qualité d'observation qui n'est pas possible à des milliers d'années-lumière. En troisième place, il faut s'éloigner sensiblement du Soleil pour aller visiter un système bien connu, le système Trappiste 1, à 39 années-lumière de nous. Celui-ci comporte 7 planètes qui ressemblent toutes d'assez près à la Terre. Celle qui nous intéresse le plus se trouve en plein milieu du cortège. Trappiste 1e n'est pas physiquement la plus semblable à notre planète dans le système. Elle est sensiblement plus petite, 90% de la taille de la Terre, pour 70% de sa masse. Cela lui offre une gravité de surface égale à 80% de la nôtre, ce qui est probablement très agréable. Trappiste 1 est également une naine rouge, tout ce qu'on vient de dire à propos de Proxima Centauri B est donc ici aussi valable. On la classe un peu plus haut, car sa température de surface est estimée un peu plus proche de celle de la Terre, avec toutes les précautions qu'il faut garder lorsqu'on parle d'un monde qui est très probablement en rotation synchrone. Alternativement, certains catalogues estiment que Trappiste 1D est plus favorable. On aurait donc tendance à classer tout le système en troisième place. Il possède tellement de planètes semblables à la Terre que si ce n'est pas l'une qui est accueillante, ce sera sa voisine. En seconde place, nous aurions tendance à placer la première des deux planètes qui a été découverte autour de l'étoile de Tea Garden. Nous l'appellerons Tea Garden B. Le catalogue de l'université de Puerto Rico la place en première place, donc les classements divergent un peu. On est encore une fois dans la configuration autour d'une naine rouge, mais à seulement 18 années-lumière de la Terre. Tea Garden B fait presque exactement la masse de la Terre, à quelques pourcents près. L'autre planète du système, Tea Garden C, est 10% plus massive que la nôtre. Le système n'est pas dans une configuration qui permet la détection par transit. Il n'y a donc aucune estimation de leur taille et de leur densité. Ce qui place Tea Garden B si haut sur les classements, c'est son orbite. Celle-ci devrait lui conférer une température moyenne de 28 degrés Celsius, ce qui devrait être franchement agréable. Tea Garden C est un peu plus loin de son étoile, mais également dans la zone habitable. Si sa cousine est par le gré des conditions spéciales trop chaude, elle ferait un candidat de rechange idéal. Pour mieux comprendre les enjeux qui entourent les planètes que nous avons classées 4, 3 et 2, je vous invite à regarder le dossier que nous avons consacré à l'habitabilité des planètes qui gravitent autour de naines rouges.
elle constitue une interrogation importante pour les exobiologistes, et vu leur nombre, elle pourrait grandement changer la fertilité ou l'infertilité de l'univers. La première place, nous la consacrons à une exoplanète candidate dont l'existence n'a pas encore été confirmée. C'est un peu de la triche, mais l'idée est de vous montrer ce qui semble se cacher juste à la limite de nos capacités de détection. On est en effet ici dans le cas parfait. La planète porte le nom Ingra de KOI487801. Elle gravite autour d'une étoile semblable au Soleil, à un peu plus de 1000 années-lumière de nous. Elle semble avoir un rayon seulement 5% supérieur à celui de la Terre, et son orbite est aussi excellente. Elle fait le tour de son étoile en 445 jours, ce qui la place à 1,12 unités astronomiques de celle-ci, en pleine zone habitable. Elle a donc la bonne taille, la bonne orbite autour de la bonne étoile. Cela la placerait à une température moyenne 2,4 degrés Celsius plus froide que la Terre. Des conditions quasiment identiques. On a alors du mal à se la représenter autrement qu'en une planète bleue offrant des conditions idylliques. On peut bien sûr émettre des réserves importantes. D'une part, son existence n'a pas pu être confirmée. C'est difficile à faire lorsque les périodes sont si longues. D'autre part, elle a probablement une masse et une gravité de surface sensiblement plus importantes que notre planète, ce qui la rendrait inconfortable. Enfin, et cela s'applique à toutes les exoplanètes qu'on a évoquées aujourd'hui, il nous manque encore bien des paramètres pour pouvoir dire qu'une planète est semblable à la Terre ou non. Ont-elles une atmosphère, un champ magnétique, des satellites massifs? Ont-elles subi un apport en eau suffisant au cours de leur histoire? L'habitabilité de la Terre, on la comprend aujourd'hui à peine. On joue d'ailleurs avec le feu, en mettant en marche un effet de réchauffement climatique qui pourrait s'emballer. Il reste donc illusoire de se prononcer sur l'habitabilité d'une planète lointaine, à partir de quelques paramètres mesurés avec des incertitudes importantes. La bonne nouvelle, c'est que nos outils et nos techniques progressent. Dans les années et les décennies qui viennent, on va être capable de mesurer la chimie de ces planètes, et peut-être même, un jour, de mettre en lumière la présence ou non d'un champ magnétique. On pourra alors revoir ce classement avec bien d'autres candidates certainement tout aussi passionnantes. Nous voici en tout cas arrivés au bout de ce dossier de l'espace. N'hésitez pas à partager vos questions et vos remarques dans les commentaires. On y répondra dans la vidéo qui sortira ce dimanche à 18h. Vous pouvez consulter la description pour retrouver nos sources et nos réseaux sociaux. On se donne rendez-vous très rapidement en live et en vidéo, et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.